je vivais avec une amie et tout est parti. Une nuit, je dormais une nuit et puisqu'il y a mon téléphone a des empreintes, elle a pris mes doigts, elle a pris mes doigts. Depuis Paris, Emma Louès profite de l'occasion et envoie un message poignant aux Ivoiriens. Que se passe-t-il à nouveau en Côte d'Ivoire? Emma Louès, la belle actrice ivoirienne, profite de l'occasion et s'exprime à nouveau dans le milieu du showbiz. Emma Louès, obligée de fermer son salon de coiffure. Que se passe-t-il définitivement entre Emma Louès et son salon de coiffure? Pour plus de détails après le générique. Elle a dévoré mon téléphone et puis elle a pris les photos. Vous avez vu que c'est les captures, hein? Elle a pris les photos. Elle a pris les photos et puis... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Un matin, je suis sorti, elle m'envoie les captures. Je lui dis ça signifie quoi? Elle me dit c'est quoi? J'ai dit, mais c'est des causeries, c'est des discussions avec des personnes que je connais. Vous savez, dans ma vie... À vous qui pensez qu'entreprendre est facile, à vous qui pensez que je n'ai jamais eu à essuyer des secs, de chutes, de perdre dans ce domaine, j'en ai connu et je continue d'en connaître. Et comme à mon habitude, je suis monturé, cette énième perte qui pour moi reste un passage pour mieux rebondir dans mes affaires. Il ne faudrait pas condamner des hommes sans toutefois d'abord, dans le préalable, les avoir écoutés. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Je ne la juge pas. Elle a trouvé bon de faire des captures. J'ai rêvé d'avoir mon salon de coiffure et je l'ai eu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il ne me reste que du bois, des fils, de courant, de la peinture, des limbris et même un bâtiment sur le point d'être détruit et je souris et je dis Dieu merci parce qu'il a permis une fois et il le fera une seconde fois. Et les captures que vous voyez, elle a déjà envoyé à ses différents camarades. Oui, à ses différents camarades et tout. Elle a envoyé les photos, les captures. Ben moi je suis resté serein, je suis resté imperturbable, je suis resté calme parce que... Pas plus d'infos nous ont été révélées pour l'heure sur ce qui a occasionné le délabrement de la dite estime d'Emma Louès, quelque peu bouleversée, mais loin d'être découragée, Emma Louès promet sa réouverture prochaine. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, a-t-elle rétorqué. Emma Louès en a profité de l'occasion et s'est exprimée sur sa page officielle Facebook. Emma Louès a envoyé un message poignant aux Ivoiriens. Que se passe-t-il entre Emma Louès et son salon de coiffure? Il y a des débats dans lesquels je ne m'introduis pas vite. Je reste lucide et sage pour voir la suite. Et on ne s'est pas entendu par la suite de plein blablabla, de beaucoup de choses.